Salam alaikum wa marhab bikum fi formation en langage C++, leçon rakam 5, alimna djoufi pointer ou allocation dynamique. Zeyma, gulna fi akhiran leçon al-fadda, gulna na djoufi directement dukhul fi programmation orientée objet, mais khouan tadin lazim narfou mgoubal mana dukhulu, donc c'est pourquoi ça y est, nso chapitre al-da, un chapitre additionnel très important, wa yakhalina avancer. Alors, zaman fi langage C da, voilà, je n'ai qu'une fois les projets qui. Zaman da, en fait, pour déclarer un pointer da, on a une sorte qui kef, une sorte de délimiteur watini. Alors, nous voulons les sons 5. On a dit en anglais, je vais aller en français. Allez, les sons 5. Voilà. Leçon 5, en fait, par exemple, si je vais déclarer un pointer sur un entier, da, déclarer le int, ou un non pointer. Par exemple, comme chez machine de kebab case, non pointer. Voilà, à manquer quoi. Ouais, souvent, on retrouve nul, Michel K. Alors, avec le langage C, c'est un tout petit peu différent. Comme je nous devons déclarer le pointeur d'abord que nous voulons int étoile adi, voilà int étoile, on a un nom, on va aller nous commenter de nouveau de c'est plus valable en C. Alors il nous donne le chenou, en fait pour l'initialiser là nous devons utiliser les notations là zéro. Donc, mais en fait, une valeur, on a nul, demain, on retrouve nul en majuscule, puis on a une acte. Donc, le nul PTR, voilà, où automatiquement il est intelligent, ça va être une auto-complétion. Voilà, manqué. Comme chez l'Indina, je ne sais pas, un nombre 3, il ou pas là, voilà, après vous, quand il y a un nombre 3, il est égal à 8, par exemple, là. En fait, notre doro directement après, dans le non pointer à Guinada. Nous donnons tout adresse en haut des nombres. Comme vous savez, en fait, le pointer dans notre on a affiché ou a manqué directement dans tout l'étoile parce qu'il les reconnaît. Pas besoin de passer par des formatages. Donc, nous sommes non pointer. Voilà. En fait, nous devons le end tout simplement sans dire end de line. End, il va finir mais il va pas revenir à la ligne. Alors, non pointer, non pointer. Pourquoi? Tac, 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 tac. Non, ça va. L'éditeur est dans l'attention. Parfois, il souligne genre la Michel erreur alors que ce n'est pas une erreur. Allez, à ligne compilée, on joue. Make. Pop, pop, pop. Une erreur, ouais, c'est quoi l'erreur? Khalil a affiché juste au d'accord, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je pense qu'il y a un problème, il est en train de souligner le problème que chez nous. Aucun opérateur. Khalil nous voulons end line, peut-être il est dans ma end. Ah, je pense qu'il y a un de WC à tout. Donc, allez, on refait de nouveau. Parfait. En fait, juste, j'aurais dû mettre. Voilà. En fait, suite à un programme à Guinée, en fait, il y a affiché 8. 8, en fait, ça veut dire le pointer. Comme je suis le 100, il y a affiché. Je suis sûr qu'il y a affiché une version. Enfin. Un nombre avec des 0x c'est quelque chose, ça va être une adresse mémoire. Voilà, yaoulo khatlan 0x c'est quelque chose, donc ça veut dire ça c'est une adresse mémoire quoi, da l'adresse mémoire quoi. Donc da toi la mémoire, alors plutôt da la variable, da la le pointeur qui n'a rien déclaré, le pointeur da d'ici à salien la semaine des tout pointeur là qui ne m'a pas venu allocation dynamique, donc le pointeur de notre solo allocation dynamique. On va déclarer un autre pointeur.
Parfait. Dans notre notation en langage C, pour déclarer un pointeur, on fait l'allocation dynamique dans le langage C de GanSoCF égale malloc. Oh, pardon. Malloc. Nous devons faire malloc, calloc. Il y a trois fonctions. Gardez-moi casque. On veut le size of quelque chose comme ça. Size of int, comme si on veut faire juste un pointeur d'entier. Voilà. Pas manqué. Ou bien quand nous devons faire un tableau, on veut le ça, fois un tableau de taille, je ne sais pas, 5 ou quelque chose. Ou bien quand on a un int. Attendez. Il y a un différent quand il y a un tableau directement. Un tableau. Voilà, on va bloquer. Mais en fait, Anina Salink, on va se dire que nous devons déclarer juste un pointeur sur une case mémoire contenant un entier. Ça va être plus simple. Nous devons par la suite étendre. Alors, où dedans? Par exemple, dans l'ingouloum. Un pointeur 2. Pour le faire, on peut le faire de façon très simple. Nous voulons Z1. Pour Houdada, nous voulons égal new ou bien quand même nous voulons le nouvel opérateur en affectation. Nous voulons new ou on veut lui dire un entier. L'entier de nous voulons tout une valeur. En gros, Houdada, c'est un ADA. Ensuite, nous voulons la ligne. Nous voulons. Comme si le on est en train d'affecter sa valeur quoi. Je pense que disais donc je ne suis pas sûr est-ce que cette écriture est permise voilà m'a permise en C mais il y a en gros nous le met une valeur 5 à ça il y a deux lignes c'est la ligne de notre directement comme ça. Dans sa valeur, ensuite, quand Khadam n'a qu'est, c'est un traitement qui n'a après de nous goulou chenou. Avant de nous goulou free pour libérer la mémoire, c'est de nous goulou delete. Dans tout son pointeur. Voilà, dans tout son pointeur, il y a un delete. Voilà, c'est bon. Donc, c'est simplifié new, comme pour dire nouveau, un nouveau entier. Ou à la fin, nous goulou delete, de pour supprimer le pointeur. En gros, la combinaison avec le nom de la plus une chose, un free faut aller non pointer de Guinée. Voilà. Dans l'écriture en C++, donc, si vous voulez, donc, on peut même afficher. On a affiché valeur dans le pointer, dans std, cout. Alors, cout. Affiche-nous où est-ce que nous voulons le pointer, enfin le contenu dans le pointer. Ensuite, nous voulons afficher-nous le contenu de la case même, nos pointer 2. Ensuite, faire un underline, std underline. Voilà. Allez le compiler, on chauffe, qu'est-ce que ça va donner. Parfait. En fait, voilà, dedans, voilà, en gros, afficher les chez nous, afficher les 5 ans, afficher les 5 plutôt 5, ou 0x dans la charlotte. Je pense qu'il serait mieux de retourner un de la ligne pour faire la différence, quoi. Voilà, parfait. Je compile. On exécute. Alors, Galena 8. 8 dans la première partie, Inida, dans la deuxième partie de Galena 5. Oda adresse nous le cas en mémoire. Voilà. En gros, c'est beaucoup plus pratique de lire dire ici. Quoi. Alors. Dedans en fait c'est un peu compliqué quand même en langage C
Anine, on gère la mémoire, c'est très facile d'oublier. Faut qu'il en fait l'allocation dynamique, au titre demande soit l'allocation dynamique. Da, on oublie de faire, enfin, c'est fréquent de faire les free ou les delete à la fin. C'est vraiment compliqué pour les développeurs informatiques. Voilà, parfois, de ces programmes, où tu oublies un truc, il y a des milliers de lignes de code, tout dire fois. À cause de ça, le programme qui c'est la catastrophe. Ouais. Donc, pour éviter ça, dans la C++, ils ont mis en place le pointeur intelligent. Le pointeur intelligent de l'homme défini sur la bibliothèque, ouais, en memory. Donc, pour les utiliser, on va inclure la bibliothèque memory. Voilà, alors, memory, de Khalina Dorol Filouba. Indina Chouno, Indina tout classe de là. Alors. Je pense trois types de pointeurs, mais on va s'intéresser à les tenir. Alors, il y a unique PTR. Voilà. Unique PTR. Voilà. On a plein de fonctions. Donc, unique PTR, de comment on va l'utiliser? Il y a une goutte chez nous. Au lieu de faire tout ça, là, tu vas nous définir juste un pointeur de type unique PTR. Mais unique PTR, il est défini dans un. Dans un namespace qui s'appelle std quoi. Il y a un filou bada khalini kan fatashna dans le namespace std. C'est pourquoi namespace voilà, il chauffe tout quelque part namespace voilà. En gros, il y a un namespace std donc il y a tout le il est défini filou bada khal quoi. Alors l'unique pointer il y a tout il doit type quoi. Donc, dans tout un type, par exemple int, on va lui dire, on va avoir un pointeur de int, ou directement dans tout nom, par exemple, nous voulons nom pointeur 3. Voilà, nom pointeur 3. Ou directement, nous voulons sur l'opérateur en affectation d'A, nous voulons, voilà. Ou de on ne va pas lui faire des new, mais cette fois-ci, nous voulons, filou balé, la fonction, nous voulons make unique. Ok, 2 points make unique. Est-ce que j'ai bien écrit? Voyons voir. Normalement, c'est ça. Ah oui, j'ai mis 2 points au lieu de 4 points. Da faute à guide quoi. Make unique. Voilà, make unique. Voilà, maintenant le make unique. Normalement, make unique de Dora, vous avez qu'il y a tout un type à gars. Donc, make unique, puisqu'il y a un int, donc on a le int. On a tout valeur. Donc, nous voulons chez nous, par exemple, mémoire 5, par exemple. Bah, n'oublions pas le point virgule à la ligne. Ou dans on a défini notre pointeur 3. On n'a pas besoin de faire free. Quand il se charge de libérer à la mémoire. Donc, nous avons un autre machine dans un type entier simple pour faire un char ou pour faire un float, un double. Il suffit de. Il faut que l'int de tout une valeur qui est compatible avec le type. Nous avons un pointeur 4. Le pointeur 4, là, ça va être un tableau d'entier par exemple. Donc dans ce cas, nous voulons un tableau d'entier ou par défaut, on ne l'initialise pas. Quoi. Il va nous déclarer un tableau qui est non initialisé. Pourquoi est-ce qu'il y a un tableau? Hop, il faut différentes make unique. Make unique, arg, and arg. Il y a deux définitions. Ah, en fait, nous devons passer l'eau à size en haut du tableau. Quoi. Nous devons par exemple, ici, on a dit un tableau d'entier. Nous devons le taille en haut du tableau. En fait, un tableau de 4 éléments, par exemple, 6 éléments. Voilà. Après tout, il y a filou balé de mémoire, désolé, derrière, il y a plus de détails, et des références un peu.
une partie ma vraie code de galakin parfois je lui dirige le un peu détaillé quoi il y a plein de choses à salir quand je le gars est green dans qu'on va informer l'eau mais il y a plein de notions là on attaque au moment où nous formons pour que go clair ensuite à part à l'unique de Indina à l'shared animé oui en gros à l'shared c'est pas trop utilisé on a fait tout surtout c'est une fille je cours un processus de là il y a en gros le système d'exploitation de comment est-ce que Ougaï fonctionnait en fait il y a gestion à la mémoire courante il faut que on fasse attention comme il y a des threads qui travaillent sur même case mémoire pour s'assurer que man accès concurrent y a pas plus d'un processus, pas plus d'un thread qui est écrit sur la case mémoire là. Et pour garantir d'aller dedans, souvent on va utiliser les shared. Ce n'est pas beaucoup trop utilisé, mais voilà, ne réutiliser où. En gros, il fonctionne à peu près de la même façon quoi. Et pour déclarer, il suffit juste de prendre le shared, okay. Ou il est authentifié une valeur quoi. Ensuite, c'est très facile de les prendre, enfin de les manipuler, quoi. Il est très bien. Une des filles qui a d'ailleurs fonction de Kateri, par exemple, là, ça. Nous avons un pointeur, ouais. Supposons que pointeur 1 à Guinada. Voilà, pointeur 1 là. Nous avons tout une valeur de non pointeur 3 là. Nous avons pointeur 3 égale à ça, pointeur release. C'est une fonction release. La fonction release, il te fait genre une petite copie en anglais ou d'accord. Tentons de faire un cout de ça. Std cout. 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 Allez. Endline. Inida cout. On veut afficher la valeur en casement pointer. Alors. Qu'est-ce que ça va donner? Parfait. On compile. Pourquoi 8 oui, std? L'histoire des espaces des noms, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a une façon de pour s'en passer. Alors, pour s'en passer, en fait, nous avons directement, il faut qu'il y ait using, je pense, std. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Au je pense que même si on met pas std, je pense que automatiquement il récupère. Je ne suis pas sûr. Non. Non. Au final, j'ai bien fait Karami. Bon, en fait, attention à réutiliser le type de là. Plutôt à bien écrire les choses comme alors, c'est le release, le nom 3. Khalin tous les. Pourquoi? Khalin tous les. Pointeur intelligent là-dedans, fais-moi un release de ça. Cette fois-ci, la dernière valeur à l'IEBGA affichée de pourquoi est-ce qu'il est voulu. Ah, en fait, à release, ce n'est pas défini, il faut que le type en le shared de pointer, mais c'est juste défini, il faut que le unique pointer. Voilà, unique pointer de Kandina, Filouba, Nolgo normalement. Tic, 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 tic. Dans la fonction de l'indina, dans le constructeur, un peu d'eau. Mind fog non, à l'unique d'ind plutôt une fog release, mais à shared de mind fog release, à chandance à convoquer un objet de type shared, ou release de signaler comme quoi ça n'existe pas. Donc, quand on retient le shared, ça fonctionne. Ensuite, il y a un troisième type de quand même les weak. Ou on va même pas l'aborder. D'ailleurs, le premier, c'est le plus utilisé actuellement.
pour notre cas de développement, l'application de la Guinada, je pense que c'est largement suffisant. Ou Nassalidorium, je suis un peu plus loin, Kamaline, je suis quoi. Voilà, en gros, documentation guinada.en.cpp référence, dans le site officiel à Ousmane, aux alliés d'université de Ousmane. Il y a plus de détails, il faut gars. Allez. Cher PTR, Yaolovini, voilà. Il y a plein de documentation écrite en anglais. La fonction Agadol. Par exemple, make shared de Yaologait. Une d'autres fonctions vous pouvez tester. Alors. Release, collègue, je pense ici. Release. Une fonction reset que en fait mind release in the reset plutôt in the reset rien parce qu'on est gardé une filouba shared enfin shared PTR va d'un autre nom chou unique PTR que il y a plein de détails faux donc le site officiel à la documentation en langage C ou C++ que là donc il y a il y a par exemple un exemple de bon de bout de code je vais cliquer fini ou pour voir résultat ou le code de voilà c'est très bien fait Windows a un compilateur intégré aux voilà je vais tester en plus il y a la version le GCC le tester je vous laisse le documentation faites bon usage ou rendez-vous la leçon prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.